Le devoir concret de cette année pour les premières années de production, c'est un projet live. Cette année, on a choisi de créer un spectacle qui s'appelle The Block Party, qui retrace l'histoire du hip-hop à travers les musiques actuelles et le temps. Le soir même, sur le spectacle, avec tout ce monde qui est venu nous voir au Gébus, c'est l'aboutissement d'un travail commun avec les premières années de production et de la concrétisation de ce qu'on voit en cours. Nous sommes en 1958. Le jazz va son plein jusqu'à se faire couper la parole par ses petits frères. Le jazz est la racine de nombreux genres, comme par exemple... Ok, tu me changes le cap, Pierre, s'il te plaît. On va faire la guitare maintenant. C'est ainsi que nous progressons dans l'histoire de la musique. À la fin des années 60, la funk fait son apparition et amène avec elle une caractéristique du rock'n'roll. La funk se danse. Je veux voir tout le monde bouger sur cette chanson! Tandis que l'école de la boule à facettes décline, celle du micro d'argent se dresse. Née dans les ghettos américains qui organisaient à la base des block parties. DJ, scratch-moi ça! Je vous laisse vous répartir les couleurs. Après, il faudra bien prendre la même couleur tout à l'heure à votre concert. Ok? Ok. Merci. Le fond orange, s'il te plaît. Et un peu de frais, on retrouve. Ok. Ils sont trois! Ils sont jeunes! Ils sont beaux! Faites un maximum de bruit pour le groupe! La place! Oh. Mesdames et messieurs, place au rap. Usine et Rio! Si je te calcule, je te calcule, toi dans ma gueule, c'est la même. C'est le ski 318 avec Rio, j'ai 5 games. Si tu vois, inspiré par la trap de Memphis, fais ta masse comme du bruit, mesdames et messieurs, pour finir. Les 808!